Eh, mais ça va? Ta gueule. Démarre. On peut s'arranger si vous voulez, je viens de toucher 500 grammes d'héros. Ça vous intéresse? Je veux qu'on prenne des petits-déj ensemble, je veux qu'on fasse des courses ensemble, je veux qu'on rigole, je veux qu'on s'engueule, je veux tout. Je veux tout avec toi. Je veux tout à nouveau avec toi. Et la bimbo, là? Eh, t'es sublime. Mais la bimbo, je m'en fous de la bimbo. Ça fait longtemps que c'est fini, la bimbo. Eh, t'es sublime. Et donc, tu t'es dit, je vais venir voir maman, et puis elle va me reprendre avec les enfants, tout ça. Je suis censée faire quoi? Je me mets à quatre pattes et... Nadine, arrête. On se parlait plus. Il n'y avait plus que ton boulot, ton boulot, ton boulot. Ah oui, il y a du boulot, là. Et tu fais quoi, déjà, dans la vie? Je suis dans la police. Oh. Trop stup. Trop stup. Ah ouais. J'ai l'habitude, t'inquiète pas, ça. Non, non, mais... Non, y a pas de problème, hein. Je te parle de shit, bordel, de toche, de chichon, de pétard, à fumer, quoi. Non, je ne parle plus, de toute façon. Où voulez-vous en venir, monsieur Crémieux? Je cherche quelqu'un qui puisse m'aider à imprimer quelque chose. Au sous-sol de l'école, vous avez une machine à imprimer typo. Vous seul pouvez m'aider à la récupérer. Je veux faire un tract pour réagir aux attentats et aux exécutions d'otages. Mais si vous aviez un texte à faire là-dessus, vous diriez quoi? Je dirais quoi? Je dirais... Comment est votre côté? Comment et quoi? Comment et quoi? Comment est votre daube? Tu n'en as pas eu assez tout à l'heure? C'est toi, arrêtez! Et votre type, là, vous êtes sûr que ça va aller? Mais oui, c'est un gars de nos services. On te l'a choisi pas chiant, facile à buter. On t'a pris un gros exprès, impossible de le rater. Tu balances trois bastos n'importe où au niveau du gilet pare-balles et c'est réglé. Ça serait pas plus facile avec des balles à blanc? Il t'aura franqui au cul, il te filera sûrement un flingue au dernier moment. On prend aucun risque. Et nous, on sera là en couverture. T'as rien à craindre, hein. Non, mais franchement, votre coup du faux meurtre, là, c'est faut vraiment être con pour y croire, hein. Ferme ta gueule, t'entends? Tes vannes méprisantes, tu pouvais me les faire quand on était premier. Là, on est numéro 2. Ça nous est pas arrivé depuis 10 ans. Mais maintenant, c'est terminé.